Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mohamed Denis. Alors entre le PSG qui fait n'importe quoi avec ses nouveaux joueurs stars et Barcelone qui est à la dérive, Mohamed Denis devient complètement fou. La plus grosse erreur que Barcelone ait fait, c'est d'avoir laissé partir Lionel Messi. Le club ne s'en remettra jamais. Pour ce qui est du PSG, c'est une maison de repos pour les anciennes stars du football. Les joueurs sont les mieux payés au monde et ils ne jouent jamais. Moi je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Les gars, le PSG c'est le pigeon Saint-Germain. La vie de ma mère, une maison de repos. Voilà pour les anciennes gloires du football. Oh c'est un truc de fou comme vous avez pas géré les stars. Voilà. Oh mais c'est comment vous pouvez l'accepter ça? Vous payez des joueurs 30 millions, 40 millions par an. Neymar il jouait jamais. Il joue deux matchs par saison. Messi il a déjà raté le début de championnat. Sergio Ramos, comment il a pu être validé sa visite médicale? Voilà, c'est qui? C'est le professeur Strauss qui lui a fait sa visite médicale? C'est qui les gars? Voilà. Frère, c'est docteur Maboule. C'est qui lui a fait sa visite médicale, Sergio Ramos? Voilà. J'en suis sûr, il est même plus à Paris. J'en suis sûr qu'il a voilà, il est rentré chez lui, il est en vacances, il s'en bat les couilles. Est-ce que quelqu'un l'a vu à Paris dernièrement, Ramos? Voilà, il est venu, il a pris son chèque, il est reparti, et là, il est tranquille. Un Erasmus, le mec. Voilà qu'un Erasmus. Faut arrêter, frère. C'est le seul club où tu vois ça. Seul club où tu payes un joueur 30 millions par an et tu le fais même pas jouer, tu le sors. Là, c'est Messi qui veut. Là que Barcelone, les gars, c'est Barcelonal. Oh, la vie de ma mère, ça craint. S'ils finissent 8e, déjà, c'est un miracle. Voilà. Oh, frère, c'est incroyable. Comment ils ont pu couler autant? Comment? Le président, il avait dit quoi? Ouais, si on garde Messi, le Barcelone va être en galère pendant les 50 prochaines années. Mais avec cette équipe, c'est les 1000 prochaines années, vous allez être en galère. Là, c'est foutu. Même Gérard Piqué joue attaquant, miskin. Piqué, ils l'ont mis en attaque, les gars, tellement ils sont en galère, c'est incroyable. Voilà, c'est dégueulasse. Tous les jeunes qui sortent de la Masia, ils sont nuls. Voilà, Ricky Pong, là, Ricky Pucci, t'es une merde, Ricky.